وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها سما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يابو بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العظيم. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Louange à Allah, Créateur des cieux et de la terre. Toutes nos bénédictions et toutes nos prières vont sur le sceau du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et nous tous qui sommes en train de suivre sa voie aujourd'hui jusqu'au jour de la résurrection. C'est un réel plaisir pour moi d'être là ce matin. Je crois que pour la deuxième fois, pour animer une conférence à l'attention des élèves de cet établissement. Mais comme on le dit, à tout seigneur, tout honneur. Je crois que l'honneur revient ici à l'administration du lycée pour recevoir les salutations très fraternelles, les encouragements, mes félicitations également, et mes remerciements pour tout ce que vous êtes en train de faire pour le comité Liéma de votre établissement. Je remercie, et vous avez le remerciement de toute la Liéma. Et il a été dit par la modératrice que moi qui suis devant vous ce matin, que je suis aussi un fruit de la Liéma. Le président a dit lors de son allocution que la Liéma a vu le jour en 1994.
en 1994, moi j'étais au lycée, j'étais en 11e. Et depuis cette date, j'étais militant de l'alignement jusqu'à la fin des études où nous avons continué avec l'amicale des anciens de l'alignement. Aujourd'hui, nous continuons avec l'initiative pour le développement islamique. Donc, l'amicale des anciens de l'alignement qu'on appelait les DESA a été transformée en une autre structure qu'on appelle l'IDM, l'initiative pour le développement islamique. Et je l'ai dit, c'est vraiment un plaisir pour moi d'être là. Parce que la dernière fois où j'ai quitté ici, j'ai quitté avec une très bonne impression de votre école. Tant par la qualité de l'administration et la qualité des élèves. Et cette qualité, déjà, je vois ça sur les visages. Je vois déjà le dévouement des élèves pour la conférence. Et c'est sûr en ce moment que nous allons passer une très bonne conférence. Et la conférence s'intitule « Le bon comportement de l'élève ». Et je vais commencer à dire ceci. J'étais du bois, mais par l'école, je suis devenu de l'or. Cette affirmation de Ibrahim Atchoum, qui est l'ancien recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et cela veut dire tout simplement que l'école est d'une importance capitale dans la vie de celui qui l'a fréquentée. Il dit, j'étais du bois, pour dire que lui, il n'était rien. Mais avec l'école, il est devenu de l'or. Et lorsqu'on devient le recteur d'une université comme Cheikh Anta Diop, ça veut dire vraiment qu'il est devenu de l'or. Et cela est valable pour nous tous. Cela est valable pour vous qui êtes là en tant qu'élève. Vous n'êtes rien aujourd'hui, mais si vous décidez d'être élève, vous allez devenir quelqu'un un jour. L'école, c'est le lieu d'apprentissage de tous les savoirs, le savoir-être, le savoir-faire et le savoir lui-même. Comme disait un psychopédagogue, tout le but de l'enseignement, c'est arriver au savoir. Et l'élève, c'est qui? C'est celui-là qui se trouve dans un état où il doit apprendre des autres. Il va apprendre quoi? Il va apprendre les connaissances intellectuelles, comme le dit le savoir. Il va apprendre également quoi? Les connaissances morales. Et quand vous regardez très bien, ceux qui ont fait déjà, ceux qui sont en terminale, c'est ce que Platon dit. Quand il dit, la société est classifiée en trois catégories, les âmes en or, les âmes en argent, et le bas de l'échelle, ça c'est les âmes en bronze. Que quand vous partez à l'école, c'est une sélection naturelle qu'on fait. Vous êtes ensemble. Au fur et à mesure que vous avancez, il va sortir parmi vous des excellents. Lui, c'est quand l'autre dit que lui, il est devenu de l'or, c'est ça. Vous allez avoir les âmes en or. Ça veut dire quoi? C'est vous qui serez appelé à diriger le pays. Ceux qui vont sortir alors meilleurs du classement, c'est eux qui seront les dirigeants du pays. Mais quand on décide d'apprendre, c'est-à-dire qu'on a décidé de se soumettre. On a décidé de se soumettre à qui? Aux enseignants, qui sont vos formateurs. Et nul ne peut prétendre avoir une bonne formation s'il n'est pas d'abord discipliné envers ses formateurs. On peut dire oui, je suis dans une école privée, de toutes les façons, on est obligé de faire le cours. Oui, le professeur, il peut être obligé de faire le cours. Mais, soyez sûr que lorsque un professeur vous parle,
S'il ne parle pas par le cœur, ça ne rentrera pas par le cœur et ça ne vous servira à rien. Donc vous devez faire en sorte qu'il y ait un climat de bonne entente entre vous et vos professeurs. En ce moment, ils feront le travail avec gaieté de cœur. Et quand cela est, tout ce qu'ils vont vous dire rentreront par le cœur et ça restera dans votre esprit. Et partant de cela, vous serez les meilleurs élèves. On ne peut pas du tout minimiser son professeur. Il faut se soumettre à ses professeurs. Il y a un adage libyen qui dit que l'élève qui ne se soumet pas à son maître va se soumettre à un contre-maître. Cela veut dire quoi? Que si tu refuses d'être discipliné, que si tu refuses de te soumettre à ton maître, ça veut dire que toi, tu ne pourras pas terminer l'école. Et quand tu ne termines pas l'école, tu vas te retrouver dans la rue. Et quand tu te retrouves dans la rue, c'est pour devenir soit un manœuvre dans un chantier. Alors, si tu deviens un manœuvre dans un chantier, et pour avoir ton salaire à la fin de la journée, tu es obligé de te soumettre devant le contre-maître, le maître chantier. Comment est-ce que vous pouvez comprendre? Quelqu'un qui vient au lycée et qui, par mauvais comportement, se retrouve dans la rue. Quelqu'un qui doit devenir président de la République, quelqu'un qui doit devenir ministre, quelqu'un qui doit devenir haut fonctionnaire. Mais par son comportement, il s'est retrouvé dans la rue, il s'est retrouvé dans la rue pour être un maçon ou bien un apprenti maçon, un manœuvre. Parce que le lycée, c'est ça. Quand on a la chance de venir au lycée, ça veut dire que déjà, toi, tu as été sélectionné par tes parents et par ton pays pour être cadre du pays. Le plus haut cadre, c'est le président de la République. C'est être ministre. C'est être des hauts fonctionnaires au niveau de la haute administration. Donc, c'est une chance énorme qu'on soit au lycée. Pourvu qu'on se donne les moyens à ce que cette chance aboutisse à quelque chose de réel. L'élève, il doit avoir des exigences. D'abord envers lui-même. Oui, quand on m'inscrit à l'école, c'est pas pour venir faire une promenade de santé. C'est pour être excellent. Parce que nous nous sommes dit, la dernière fois où j'ai quitté, le thème même c'était ça, c'était l'excellence dans le milieu scolaire. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où tout devient compliqué. Et pour avoir une place au soleil, il faut être parmi les excellents. N'ayant pas été excellent, peut-être faut être très bien. À la rigueur, bien. Sinon, au-delà, tu cours sur un gros risque. Est-ce que je pourrais terminer l'école? Est-ce que je pourrais passer au bac? Donc, pour dire que l'élève, il doit être très exigeant envers lui-même. Que les médiocres n'ont plus leur place dans la société. Que seuls les excellents trouveront une place au soleil, je l'ai dit tantôt. Et ça doit être un objectif. Quand on vient à l'école, on doit venir avec un objectif. On doit venir avec un objectif. Si tu veux t'écrire ton objectif là sur le mur de ta maison, de ta chambre. Que moi je passerai au bac avec la mention très bien. Que je passerai au bac avec la mention excellente. Ça c'est un objectif. Qu'on se le détermine. Mais quand tu viens comme ça, est-ce que je vais passer? Est-ce que je ne vais pas passer? Ça veut dire que toi, tu n'es pas là-dedans, tu n'es pas dans la course. Quand on vient à l'école, au lycée, sans objectif, c'est que tu n'es pas dans la course. Et là, c'est une perte de temps. Que Dieu nous en garde. Parce que la perte du temps n'est même pas musulman. Et pour dire, jeunes gens, mes frères et sœurs, donnez-vous des objectifs et essayez de vous donner les moyens d'atteindre ces objectifs. Là, le temps que vous allez passer au lycée ici, ce ne serait pas un temps vain.
l'élève, il doit avoir un comportement également à l'égard de l'école. Ça veut dire quoi? Que quand on décide de fréquenter une école, qu'il faut respecter les principes de l'école, les règlements de l'école, pour ne pas être un hors la loi. Si le port de la tenue est obligatoire dans votre école, le bon élève est obligé de porter la tenue. Et surtout que ça figure dans le règlement intérieur. Si la tenue n'est pas obligatoire dans votre établissement, ça vient décemment faire partie des obligations, parce que ça fait partie du règlement de l'école. Même pas le règlement de l'école, mais ça fait partie des valeurs de l'islam. Le bon élève, c'est qui encore? Je l'ai dit, c'est aussi la discipline envers les professeurs. Ça, je tiens là-dessus. Il faut être discipliné. Parce que je ne sais pas quel est le maître qui va accepter de donner son savoir à l'élève qui l'insulte, à l'élève qui ne vient pas à l'heure, à l'élève qui est mal habillé, à l'élève qui n'est jamais à jour. Le bon élève, c'est aussi celui-là qui s'est engagé envers ses parents. Oui, les parents qui vous donnent tous les moyens, qui vous donnent à manger quotidiennement, qui vous donnent à vous habiller, qui vous payent certainement l'école, qui vous payent certainement les cours privés. Donc vous n'avez qu'une seule obligation envers vos parents, c'est l'obligation de réussite. L'élève qui ne réussit pas, il n'est pas en train de faire plaisir à ses parents. L'élève qui ne réussit pas n'est pas en train de payer ses parents. Il ne vous demande pas de l'or à cet état-là, non plus de l'argent. C'est que vous travaillez à l'école. C'est ce qu'on vous demande. Et de travailler de la manière la plus excellente, je l'ai dit. Un élève, il n'a pas d'autre choix. C'est son travail. Le travail de l'élève, c'est de venir à l'école. Et c'est de travailler correctement. Nous savons bien que ce n'est pas pour rien qu'on a construit des locaux comme ça, qu'on les appelle écoles. Il y a un objectif. L'école a un objectif. Il y a un psychopédagogue du XVIIe siècle qui disait ceci. Le but de l'école est de faire en sorte que les couches les plus bas placées de l'échelle, faire en sorte que ceci revienne à la sagesse humaine. La sagesse humaine, c'est quoi? C'est pouvoir se prendre en charge. C'est pour... de la campagne, vous êtes en ville ici. On vous envoie pas au champ, encore moins au fleuve pour pêcher. Donc, l'enfant citadin, l'enfant de la ville, il ne peut que faire l'école et il ne peut que réussir à l'école. Il n'a pas d'autre choix. Donc, il est demandé aux élèves que vous êtes de vous donner entièrement à l'école. Et l'école, à son tour, vous donnera tout. Ne faites pas d'école buissonnière. Je viens aujourd'hui, à partir de 7h45, 10h, je suis à la maison. Ça, ce n'est pas le bon élève. C'est la constante qui paye.
jeunes gens, frères et sœurs, le plus grand cadeau, le plus grand bien qu'on puisse avoir dans le monde, ça c'est le savoir. On peut avoir de l'argent et perdre de l'argent. On peut avoir de l'or et perdre de l'or. Mais quand on a le savoir, on meurt avec le savoir. Et ce savoir, il permet à l'homme de pouvoir se conduire selon la raison. Ça vous donne de la sagesse, globalement. Le savoir vivre, se connaître, la civilité. Et je pense que ici en ville, le plus grand cadeau qu'on puisse faire à un enfant, c'est de le mettre à l'école et c'est d'assurer ses études. Comme on est en train d'assurer vos études, soit par vos parents, soit par l'État. Et quand c'est ainsi, je l'ai dit, l'obligation des résultats est là. On veut voir un résultat. C'est qu'à la fin, d'ici, donc du lycée, que vous obtiendrez votre baccalauréat. La fin du lycée, c'est ça. Et c'est pas terminé. Parce qu'après le lycée, il y a autre chose. Mais vous savez pourquoi le baccalauréat a aussi d'importance? Parce que c'est pratiquement l'avant-dernière phase de la vie de l'individu. Vous avez votre baccalauréat en main, c'est-à-dire que vous avez l'aptitude de faire beaucoup de choses. Et dans 3 ans, vous pouvez être sur le marché de l'emploi. Parce qu'après le baccalauréat, 3 ans après, vous avez votre licence. Et avec cette licence, vous pouvez être recruté à la fonction publique. Vous avoir de l'emploi et vous commencez à être autonome. Donc, c'est une phase cruciale de la vie de l'individu qui a fréquenté l'école. Donc, mettez-vous à la tâche. Mettez-vous à la tâche dès aujourd'hui, si pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et fixez-vous des objectifs. Et donnez-vous les moyens d'atteindre ces objectifs. C'est vrai. Dès lors qu'on se fixe des objectifs, il va y avoir des obstacles. Je peux faire un devoir, là ça ne va pas, je n'ai pas trouvé la moyenne. Est-ce que je dois me décourager? Non. C'est ça les obstacles. Le chemin, la distance est longue. Pour venir à l'école, ça me fatigue. Oui, c'est ça les obstacles. Mais quelqu'un qui est déterminé, lui, il ne voit même pas les obstacles. Il voit son objectif. Et il saute les obstacles pour arriver à ses objectifs. Donc, ayez cet engagement. Et comme on le dit, la réussite est au bout de l'effort. C'est lorsque vous faites de l'effort que vous allez vous attendre à la réussite. Mais si vous ne faites pas d'effort, il n'y a pas question de réussite. Donc la réussite est au bout de l'effort. Et l'école, c'est une chance énorme pour façonner votre vie, pour façonner votre famille, pour façonner votre commune, votre région et même votre pays, et même pour façonner le monde. Vous n'avez pas entendu que Nelson Mandela disait que l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour transformer le monde, c'est l'éducation, c'est l'école. Oui, parce qu'avec travers l'école, vous avez tous les pouvoirs, ou encore vous avez le plus grand pouvoir, qui est le pouvoir intellectuel. Et je crois que quand j'ai quitté ici la dernière fois, je vous ai rappelé cette pensée de Napoléon Bonaparte. Quand il dit dans le monde, il n'y a que 2 forces. L'épée
et l'esprit. Mais il dit que l'esprit finira toujours par dominer l'épée. Et l'épée, c'est quoi? C'est les armes. L'esprit, c'est quoi? C'est votre savoir intellectuel, votre quotient intellectuel. Si vous avez le savoir, vous avez la capacité de dominer le monde. Et quelqu'un qui veut dominer le monde cherche à avoir le savoir. Et les nations les plus puissantes au monde aujourd'hui, c'est les nations qui ont accordé de l'importance à l'école. C'est les nations qui ont accordé de l'importance à l'éducation. Quand aujourd'hui nous, on nous traîne sur le chemin du monde aujourd'hui, c'est parce que tout simplement, nous sommes trimballés. On nous tire au sol. Parce que tout simplement, notre système éducatif est très bas. Parce que peut-être que nous, on n'a pas pris l'école au sérieux. Et si nous voulons sortir de l'ornière, il faudrait que nous engagions vous, élèves, et les autorités. Donc, pour ne pas être trop long, je vais m'arrêter ici. Peut-être que pendant les questions, la phase questions-réponses, on va donner encore d'autres arguments. Je vous remercie de votre aimable attention. Salam alaikum wa rahmatullah. Il y a une question essentielle sur laquelle j'aimerais que notre conférencier nous... pour bien écouter attentivement ses réponses. C'est-à-dire, la question, elle est comment le bon élève, l'élève qui aspire à avoir, par exemple, la mention, quelle que soit ta classe, que ce soit 10e ou 11e terminale, mention excellente ou très bien, les deux là. Ou bien, au pire des cas, mention bien. Comment il doit se comporter, c'est-à-dire son emploi du temps journalier et hebdomadaire, si vous voulez. Comment utiliser correctement son temps, diviser 24 heures là. Comment utiliser judicieusement son temps. Si telle est là, faites ça, faites ceci, faites cela, jusqu'à nous coucher et nous réveiller. Que je l'ai dit, il y a une question, on répond à la question. Tout d'abord, permettez-moi de vous dire que d'abord dans l'islam, il n'y a pas de perte du temps. Et on dit que la perte du temps fait partie des signes de la colère divine. Quand tu vois que tu passes plus de temps à t'amuser qu'à faire du sérieux, c'est que Dieu est mécontent. Dieu n'est pas content de toi. Lorsque tu veux mesurer que Dieu n'est pas content de toi, regarde un peu comment est-ce que tu gères ton temps. Donc, pour revenir à la question de professeur, c'est comment établir son emploi du temps afin qu'on puisse avoir des résultats excellents à la fin de l'année. Ça va commencer de façon journalière et qui va se répéter au cours de l'année. C'est que d'abord, depuis le réveil, il faut se fixer un moment idéal où il faut se réveiller. On le dit que le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Déjà au réveil, quand on est ponctuel à ce niveau, un moment assez intéressant, peut-être vers 5h, 5h30 du matin, le bon élève, ça trouve que le bon élève s'est réveillé. Et quand on se réveille, peut-être en tant que musulman, on attend s'il faut faire des prières surrogatoires jusqu'à la prière de Fajr. Et après la prière de Fajr, il faut avoir un petit temps
de récupération physique. Un petit temps où on doit faire quelques exercices physiques afin de pouvoir innerver ce qu'on appelle le système nerveux. Les petits gestes d'étirement au niveau du cerveau. C'est-à-dire, on informe déjà l'esprit pour ce qui doit se passer dans la journée. Ce qu'on appelle, sur le plan sportif, la mise en train. Donc, on sait que à l'école également, il y a un temps où on commence la classe et il y a également un temps où la classe termine. Donc, après l'école également, on doit avoir un petit temps qu'on doit diviser. Parce que la réussite ne va pas avec le désordre. Aujourd'hui, lundi, mardi, ça c'est les sciences. Mercredi, jeudi, ça c'est peut-être les matières de veille, l'histoire, géographie, la philosophie. Et vendredi, samedi, ça c'est les exercices. Et lorsqu'on arrive à se fixer un emploi du temps comme ça, c'est sûr que ça va devenir de la routine. Et pratiquement, l'esprit même se prépare à recevoir chaque chose en son temps. Mais si tu fais lundi, mardi, tu fais physique, chimie, et mercredi, jeudi, tu retournes en histoire, vendredi, samedi, tu reviens encore physique, chimie et les autres, donc tu fais un temps, après tu oublies l'autre, ensuite tu reviens encore dans une autre matière, ça crée le désordre au niveau de l'esprit. Donc, si les choses se font selon un temps bien déterminé, je dois faire les mathématiques les lundis et les mardis, alors, dès que cette période arrive, intelligemment, l'esprit même se prépare. Donc, tout ce qu'on va dire en ce moment sur les mathématiques ou sur les sciences physiques va rentrer paisiblement dans l'esprit. Mais quand vous avez un emploi du temps désordonné, on n'apprend pas les leçons selon un calendrier, ben ça va amener un cafouage au niveau de l'esprit. Donc, parfois, tout se mélange. Donc, le bon élève, celui-là qui veut réussir, celui-là qui veut être excellent, doit se faire l'obligation d'avoir un agenda, un calendrier bien établi où il fait ses activités pédagogiques d'apprentissage. Voilà la réponse que j'avais à votre question. Ce qui a été dit, j'ajouterais juste, ça c'est sur le plan intellectuel, quoi, la programmation des différentes tâches dans les différentes matières. Maintenant, le corps même, s'il vous plaît, les journées, par exemple, une fois que vous avez quitté l'école, les 13h ou bien midi passé, vous rentrez à la maison, directement, cherchez à manger quelque chose, vous vous reposez au moins 30 à 1 heure de temps, bien 1 heure de temps maximum, pour vous réveiller à 16h, faire votre prière d'asana. Et là, le programme que vous vous êtes fixé, là, vous êtes en train maintenant de l'exécuter jusqu'à la prière du soir du Maghrib là. Entre Maghrib et Safo aussi, peut-être si tu veux, tu ne fais même pas de révision, tu t'occupes des tâches à la maison et autres. Mais après le dîner aussi, ne pas dormir, se donner de 1 heure à 2 heures de temps de petite révision aussi, d'exercice avant de se coucher. Je voulais dire, par rapport à l'alimentation, le corps c'est un moteur, tout est lié aussi. La bonne alimentation, même si elle n'est pas de qualité, la qualité n'y est pas à 100%. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se remplir les ventres. Un bon élève, quelqu'un qui veut être excellent, ça je voulais dire honnêtement, tu ne peux pas être quelqu'un qui te gave. C'est-à-dire quand il y a un repas devant toi, tu remplis l'instrument jusqu'à ce que toi-même tu sens qu'il n'y a pas de place. Une fois terminé de manger, tu bois aussi jusqu'à ce que tu sens que maintenant il y a réellement presque pas de place. Généralement, ce dernier, tu vas affaiblir ton corps. Et directement, la paresse, le sommeil, tu ne peux pas te concentrer comme celui qui a mesuré ce qu'il a mis dans ce sac-là. Et je clôture par ces propos de notre messager, Mohamed Sallallahu Alaihi Wasallam, le plus intelligent des humains. Qui nous aime plus que nous-mêmes, il dit, il n'y a pas un sac rempli plus vilain, plus dangereux, si vous voulez, que le ventre d'un être humain rempli. Retenez ça. Voilà, fallait
Il faut mesurer la nourriture, il faut manger, mais il faut vraiment mesurer. Car là, tu peux faire tous tes mouvements. Si vous faites ça, vous allez être intelligent, vous allez être excellent. Voilà. À la bonne. Merci. Merci beaucoup. Ok. Ça me rappelle les propos d'un de nos formateurs qui disait que plus le corps est fort, plus l'esprit s'affaiblit. Ça veut dire quoi? Dès que vous commencez à manger trop, ça commence à jouer sur le mental. Donc pour pouvoir retenir beaucoup de choses, vraiment il faut manger moyennement. Il faut manger moyennement afin que l'esprit se réveille. Parce que trop manger, ça donne la paresse à l'esprit. C'est pourquoi quand on mange trop seulement, on ne pense qu'à dormir. Voilà. Quand on mange trop, on ne pense qu'à dormir. Donc merci de votre contribution. Donc nous avons une question ici. La question est la suivante. Qu'est-ce qui pousse les élèves à devenir mauvais élèves? Qu'est-ce qui pousse les élèves à devenir mauvais élèves? Alors, vous voyez, cette question est un peu difficile à comprendre. Qu'est-ce qui pousse les élèves à devenir mauvais élèves? Est-ce qu'on était mauvais avant? Si on n'est pas mauvais avant, est-ce qu'on vient à l'école pour devenir mauvais? Parce que l'objectif, ce n'est pas ça. Quand tu viens à l'école, c'est pour monter. Mais comment est-ce que tu veux venir à l'école pour devenir mauvais? Donc, s'il y a une explication, on peut avoir un, sinon deux. Un, c'est quoi? Quand tu viens à l'école et que tu prends à être ami à ceux qui sont sans ambition à l'école, à ceux qui ne veulent pas avancer, à ceux qui sont mauvais, mais tu vas devenir mauvais. Parce qu'on dit que les oiseaux du même plumage volent ensemble. Donc, la mauvaise compagnie peut faire en sorte que un élève qui, premièrement, était bon, mais qui soit très mauvais parce qu'à cause de la mauvaise compagnie. Maintenant, deuxième explication qui peut pousser un élève à devenir mauvais, ben, on ne le pousse pas, mais qui peut faire en sorte qu'un élève soit mauvais, ça, c'est peut-être un peu l'approche qu'il fait sur les enseignants. Oui, tel professeur, vraiment, il est comme ça, ni M. Yereka, comment le nez. Dès que tu te mets dans ce jugement, c'est fini pour toi. Parce que si tu n'aimes pas le maître, tu ne vas pas aimer sa matière. Et si tu n'aimes pas sa matière, ça veut dire que tu ne réussis pas dans sa matière. Imaginez que c'est une ou deux matières. Comment est-ce que tu vas faire? Tu vas devenir mauvais. Donc, comme on le dit, dans la vie, que ce soit les hommes sur les choses, il n'y a rien qui soit mauvais. Tout dépend du jugement que vous faites sur l'autre. Quand vous faites de vos procès les gens les plus aimables, les gens les plus enviables, c'est sûr que vous allez devenir de très bons élèves. Donc, évitez la mauvaise fréquentation et aimez vos professeurs. Vous allez aimer leur matière et vous serez très fort dans leur matière. Et en ce moment, vous allez devenir de très bons élèves. Voilà donc la réponse que j'avais à cette question. Je remercie le conférencier ainsi que l'administration. Les professeurs qui sont là et également les élèves, l'ensemble des élèves. Et j'aimerais ajouter quelque chose à ce que le conférencier a dit tout de suite. Et être mauvais élève, et il faut bannir certains comportements de ton endroit vivant. Comme vous venez de le dire, il faut savoir pourquoi vous êtes venu à l'école. Nous venons à l'école pour apprendre. Donc, c'est comme si vous fixez un objectif dont vous essayez d'atteindre. Donc, obligatoirement, être mauvais sera exclu de cela.
d'emblée. Parce que l'élève qui se met un objectif devant lui doit travailler. Et c'est en travaillant qu'on arrivera à réussir. Comme on l'a dit, travailler pour réussir, carrément. Réussir pour servir, ouais. Telle est la devise formelle de tout un chacun. Carrément. Donc, pour être encore mauvais élève, comme le conférencier a dit, l'objectif que vous vous fixez, votre emploi du temps, si vous n'arrivez pas à assumer ça, à suivre ça à la lettre, tu tends vers le côté de le bon, le mauvais côté. Donc, quand tu vas au mauvais côté, donc tu te retrouveras parmi les mauvais élèves. Carrément. Parce que tu n'arriveras pas à atteindre l'objectif que tu t'es fixé. Sans plus tarder, je m'arrête là. Ok. Merci. Merci les conférenciers pour la qualité de la conférence. Je remercie l'administration de l'école et les élèves, surtout la LIMA. Moi, j'ai une question. Est-ce que l'environnement a-t-il un impact négatif sur le comportement d'un élève? Ou encore, est-ce que, sinon, quel est l'apport de l'administration, du corps professionnel, des parents, pour que l'élève ait un bon comportement? Voilà, merci. Impact négatif sur le comportement de l'élève. Carrément. On le dit souvent que l'homme est fonction de son environnement. C'est-à-dire que l'homme prend la couleur de son environnement. Lorsque un élève se trouve dans un environnement où l'école est bien aimée, lorsque l'élève se trouve dans un environnement où on fait la promotion de l'excellence, lorsque l'élève se trouve dans un environnement où tout le monde réfléchit par l'école, et forcément, sa vie serait liée à l'école. Et forcément, il va tendre vers l'excellence parce que c'est ce que son environnement demande. Il est obligé. Comme Descartes disait, qu'il est plus facile de changer sa nature que de changer l'ordre de la société. Quand il se trouve dans un environnement, forcément, il faut se conformer aux réalités de cet environnement. Donc si c'est un environnement qui encourage, forcément l'élève va réussir. Et d'ailleurs, il y a certains qui pensent même que le parent d'élève doit choisir un bon environnement pour la réussite scolaire de ses enfants. Quand tu te trouves dans un quartier où tu sais que vraiment le plus bon métier du quartier, c'est que les enfants deviennent des apprentis chauffeurs, si ton enfant évolue dans ce quartier, il va devenir apprenti chauffeur. Parce que c'est cela ce qu'il voit. Donc, l'environnement compte beaucoup dans la réussite de l'élève. Alors maintenant, à défaut de ne pas pouvoir changer l'environnement, il faut changer sa fréquentation. Voilà. Donc, l'administration, les parents d'élèves, donc ça c'est le rôle des parents d'élèves, c'est de faire en sorte que son enfant puisse être dans un bon environnement. Et bien, l'administration, c'est également de parler toujours aux élèves. Parce que, en fait, il y a ces problèmes. Et c'est pourquoi j'ai beaucoup aimé cette initiative. Qu'on trouve un cadre où l'administration parle aux élèves. C'est très important. Et Mali donc les dollars de Bafo. Ko eko kete kuma jone mna kuma dem se mfe. Omar Kouité. Voilà, donc pour dire que c'est ça l'éducation. On dit l'action de la génération la plus ancienne, c'est la génération la plus jeune. Donc quand vous refusez de parler aux enfants, mais ils ne vont pas avoir le bon comportement. Donc, l'école doit organiser un cadre trimestriel, mensuel, où elle véhicule ses messages. Message d'encouragement, message de conduite. Et là, ça va bien arranger l'atmosphère au niveau de l'école. Et là, vous serez moins fatigué. Mais quand les élèves sont laissés à eux-mêmes, quand les élèves sont laissés à la rue, c'est sûr que ça sera très compliqué. Et c'est pourquoi aujourd'hui au Mali, nous avons de longs problèmes avec l'éducation des enfants. Voilà, donc pour ça, voilà la réponse que j'ai voulu donner à votre question. L'éducation, c'est quoi? Avant la venue du blanc, ces écoles ont été chez vous. Je ne sais pas quelle dans vos interventions, vous ne parlez jamais de ces écoles. Chiffres, ils ont une éducation à
Chifinso, Animobaso, chez nous, à Chinois, c'est ce qu'on existe. Les écoles d'éducation, ils forment chaque génération avec son école. Chaque petit bout d'âge avec son école. Mais en tout cas, le blanc est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fermé cette école. Pourquoi? C'était pour mettre un frein à notre ascension sur le plan éducationnel. Je voudrais que dans vos interventions, fassiez un peu de recherche sur ces écoles-là et les mettre à l'attention des enfants. Je voudrais bien vous présenter, c'est très très important. Chaque fois, on prend l'exemple sur le plan, un temps après ça, essayez de faire des recherches sur nous-mêmes pour que le châssis qu'on a fait ici par le passé et les porter à la connaissance de nos enfants. Est-ce que c'est compris? Ok. Merci. Merci bien. Nous avons fait une sélection et il y a quelqu'un qui voulait savoir comment faire un bon emploi du temps pendant le mois de Ramadan. Pendant le mois de Ramadan? Et par rapport à l'école, bien par rapport aux actes de dévotion, par rapport à la jonction de l'école de la religion. Oh, ok. Président, tu vas répondre à cette question. Ok. Donc, il y a une question où on demande comment est-ce qu'il faut ménager son programme et pendant le mois de Ramadan. Mais avant de répondre à cette question, j'aimerais revenir sur le chef Dangara. Ok. Et il a souligné que, avant l'arrivée du blanc, que nos sociétés avaient leur école. Une école destinée aux jeunes et une école destinée aux adultes. Très bien. Mais on nous dit que connais-toi toi-même est la première source du savoir. Alors, nous ne disons pas non à nos réalités sociétales d'antan. C'est maintenant, le problème c'est quoi? Face à la réalité aujourd'hui, qu'est-ce que nous devons faire? Maintenant, les valeurs sociétales qui ne sont pas enseignées à l'école doivent être enseignées à la maison. Que les pères et les mères, que les grands-pères et les grands-mères appellent souvent les jeunes, leur parlent de leur histoire. C'est pourquoi il y a rupture aujourd'hui. Mais quand... C'est ça, en fait, la vie, c'est ça. C'est une transmission de génération en génération. Quand il y a défaillance seulement, c'est que quelque part, il y a une génération qui n'a pas fait son travail. Le travail de quoi? Le travail de transmission de message. Oui, je viens à l'école, mais est-ce que cela va m'empêcher d'avoir une pensée sur mon arrière? Non, je dois connaître mon passé, je dois connaître ma famille. Et qui doit faire ça? Cela doit venir des parents. Peut-être que si à Ségou, on peut enseigner l'histoire du Ibrahim Bamana de Ségou, peut-être que dans le Mandé, on va enseigner l'histoire de Tchouzata Keïta et comment est-ce que la société mandingue a été faite. Donc, il appartient en ce moment aux pères, aux mères, aux grands-mères, aux grands-pères d'informer leur descendance de leur histoire. Et ainsi, on va avoir une harmonie dans la société. Donc, voilà le petit ajout que je voulais faire, M. Tangara. Merci. Je voudrais que vous, qui êtes les hommes des paroles, fassiez un peu ce mieux voir là. D'accord. C'est ce que je voudrais. D'accord. Voilà. Okay. Vous avez le temps de tirer des conférences un peu partout. Oui. Donc allez-y faire ces recherches là. D'accord. Et mettre du temps dans la conscience de nos enfants. D'accord. Qui se donne à des actes d'adoration. Mais également, c'est un temps qu'il faut mettre à profit. Parce que si peut-être que dans les autres moments, on se réveille à 5h, à 5h30, peut-être que pendant le Ramadan, le réveil, c'est peut-être 3h et 4h. Donc, le temps qui sépare de ton réveil à la consommation du repas du Ramadan, tu peux utiliser ce temps pour faire autre chose. Donc, le musulman, c'est ça. C'est le quelqu'un qui est le plus malin. Donc, à chaque fois qu'il y a une opportunité, il faut s'en saisir. Je pense également que le mois de Ramadan, c'est une opportunité, non seulement pour les actes de dévotion, mais également pour les actes de l'école. Parce qu'il y a des temps où vraiment on ne se réveille plus,
on passe beaucoup de temps en état de veille. Donc, nous devons utiliser ces temps en tant qu'élèves alors pour augmenter nos temps d'apprentissage. Merci. Pourquoi dit-on le premier dans la classe, mais pas le premier dans la vie? Oui, on dit souvent que le premier dans la classe n'est pas forcément le premier dans la vie. On dit souvent que le premier de la classe n'est pas forcément le premier dans la vie. Mais moi, je vous dis hein, que ceux qui ont été premiers pendant mon cursus scolaire et universitaire sont les premiers aujourd'hui parmi nous. C'est-à-dire que ça, c'est une exception de la chose. Puisqu'on sait que, je l'ai dit, que c'est à travers l'école aujourd'hui qu'on devient peut-être haut cadre. Pour prétendre passer au concours, si ça s'est fait réellement, c'est les meilleurs qui vont passer. Et c'est les meilleurs qui passent, c'est les meilleurs qui vont diriger. Et les dirigeants du pays, c'est eux qui sont les réussites de l'école, de la vie. Donc, moi, je pense que c'est vrai qu'on le dit, les premiers de l'école ne sont pas les premiers de la vie, mais généralement, les premiers de la vie sont les premiers de l'école. Généralement, les premiers de l'école sont les premiers de la vie. Moi, je donne un exemple. En tout cas, moi, je n'ai pas vu dans mon cursus scolaire et universitaire que celui-là qui est dernier, qui n'a... En fait, quand il est dernier, ça veut dire qu'il n'a même pas terminé l'école, il va se retrouver où? Au bas de l'échelle. Je vous ai dit que la société, c'est une classification. On a parlé des âmes en or, on a parlé des âmes en argent, on a parlé des âmes en bronze. Mais et ils se trouvent où? Au bas de l'échelle. Qui sont au sommet de l'État? C'est ceux qui ont les âmes en or. C'est ceux qui ont réussi la bonne formation. Donc, ne vous détrompez-vous. Si vous êtes les meilleurs à l'école, vous serez les meilleurs à l'école. Vous serez les premiers de la vie. Ça, il n'y a pas de doute. Vous ne pouvez pas être premier à l'école et être dernier dans la vie. Ce n'est pas possible. En tout cas, dans ce monde auquel nous y vivons, les premiers de l'école sont les premiers dans la vie aujourd'hui. Il ne faut pas vous détromper. N'ayez jamais cette idée négative dans la tête. Oh, les premiers de l'école. C'est que ça, c'est généralement des propos qu'on dit pour décourager certains. Voilà. Ou bien pour consoler ceux qui n'arrivent pas à bouger un peu. Bon, non, attention, les premiers de l'école ne sont pas forcément les premiers de la vie. Hein. Ça, c'est pour consoler certains, ceux qui n'arrivent pas à être premiers. Mais nous, on s'adresse à ceux qui veulent être premiers. Donc, les premiers de l'école, jusqu'à preuve du contraire, sont les premiers de la vie. Voilà. L'islam, la question? L'islam et la vie sociale. L'islam et la vie sociale. Alors, l'islam est une religion révélée au prophète Mohammed, qui est un humain, qui a vécu dans une famille et qui a été envoyé à l'humanité, à la société des hommes. Donc, moi, je pense que, en principe, il ne doit pas avoir de problème entre l'islam et la vie sociale. Parce que la vie sociale même fait partie de l'islam. Et Dieu nous dit que, en réalité, mes actes de dévotion, ma vie, ma mort appartiennent à Allah. Donc, tout ce que le musulman fait comme activité sociale, comme vie sociale, fait partie de son islam. Donc, il n'y a pas de problème entre l'islam et la vie du musulman et la vie sociale. Le musulman, c'est qui? C'est quelqu'un qui donne à l'autre ce qui lui appartient. Le musulman, c'est quelqu'un qui a le bon comportement. Le musulman, en principe, n'a pas de problème avec la société. Au contraire, le musulman, c'est celui qui est le plus aimé par la société. Parce que c'est lui qui a le bon comportement. Il ne va insulter personne. Il ne va jamais parler dans le dos de quelqu'un. Il ne va jamais prendre le bien de quelqu'un. Alors, où est le problème finalement? Et je crois qu'on avait posé une fois cette question au prophète Al-Islam. Il dit, comment est-ce qu'on peut être aimé par Dieu et être aimé par les hommes? Le prophète a répondu, sallallahu alayhi wa sallam, en ceci, crois en Allah et ne touche pas au bien des hommes. C'est tout. Donc le musulman, c'est pratiquement quelqu'un qui doit vivre en harmonie avec les siens dans la société. Assalamu alaikum. Merci.
finir. En fait, il y a une dernière étape là. Ok. La cérémonie de remise, là, ce que vous allez faire. Avant ça, il y a une question là. Un élève qui a posé la question comme quoi, pourquoi récompenser les premiers, les deuxièmes et les troisièmes seulement. Bon, je pense que si le dernier de la classe avait une note, par exemple, de 14 de moyenne, forcément, il sera, tout le monde sera privé. Peut-être que les cadeaux ne seront pas les mêmes. Je dis bien si le dernier avait même fait 12-12. Il faut comprendre. On parle d'excellence. On parle de on n'est pas là pour récompenser les quelqu'un qui a 5 de moyenne quand même, ou 4 de moyenne. Lui, sa récompense, c'est ce qui a été fait dans la conférence. Écoutez les comptes. Comment je peux acquérir des comportements de bon élève et quitter mon carcan de mauvais élève. Ouais. Lui, il avait quelque chose qu'il a écouté quand même. Voilà. Maintenant, les meilleurs là, ce qu'on va vous donner, premier, deuxième, troisième, c'est pris. C'est pas pour toi seul en fait. J'aimerais attirer l'attention des lauréats. Les livres qu'on va vous remettre, l'administration a tenu à remettre à chaque élève, premier, deuxième, troisième, un document, mais même deux. Ces livres travaillés en concertation, c'est-à-dire former le groupe d'exercice, ton livre de maths, fais profiter tes camarades. Celui qui a eu le livre de physique-chimie, fais profiter tes camarades, etc. Donc là, la connaissance des livres est partagée entre vous tous. Ce n'est pas parce que tu es privé, tu gardes ça pour toi, tu gardes ça à l'intérieur de ta chambre. Non, apportez les livres, que les groupes d'exercice puissent travailler là-dessus, sur chaque livre, et vous partagez les connaissances comme ça. C'est ce que je voulais ajouter, quoi. Merci. Merci. C'est tout. Voilà, les livres qu'on vous donne, c'est pour vous. Ne les donnez pas à quelqu'un, c'est pour vous. Si les autres veulent avoir du travail, travaillez et arrêtez de faire ça. Oui. Ok. D'accord. Ok. Les remises de prix se feront en notre présence, mais pas obligatoirement. Ok. Ou après. Procédez à la remise des prix des trois meilleurs de chaque classe. Prochainement, soyez parmi ces trois meilleurs. Ne les laissez pas gagner à chaque fois. Poussez-les, venez prendre le rang. C'est comme ça, ça. Nous allons commencer par la sixième année. Le prix de la sixième année sera remis par le représentant du BN. Il y a deux dixièmes. Non, de la deuxième sera. Tu dis, il y a deux dixièmes. Oui, je la dixième sera. Ah, voilà, CG1. Achata Suleiman Bagadi avec une moyenne de 18,20. Atakbir! Atakbir! Souma Atakbir! Félicitations! Félicitations! Salut à Lucien Nidjara. Avec combien de moyens? 16,66. Voilà. Bravo. والذين إذا
Tu dis que le document va suivre. Le document va suivre. Le document va suivre. Le Félicitations, le document va suivre après. Ah, c'est bien. Ah, voilà. Deuxième séance, 17. Ça va, félicitations. Monsieur Tak. Ouais, c'est ça. Ça va les Merci.
Deuxième avec 13,89, Balakissa Pamala Keita. À ta ville. Troisième avec une moyenne de 13,17, Kolotou Mpoli. Attendez. Moins de 12,64. Younous Soudoué. À ta but. Troisième avec une moins de 12,25. Moussa Bala Bédigana. Premier avec une moyenne de 14,13, Kalilou Koulibaly. On n'a pas eu de documents. Oh, l'indama. Tu fais espagnol, non? Ah, il fait espagnol. Ah bon? Le dictionnaire est là, mais... Dictionnaire. Et pour finir, la dernière place, la dernière pièce de Robin. C'est la deuxième lettre. Diane Maïga. Onzième lettre. À qui est vincera? Ça, c'est le texte classique. Première avec une moyenne de 15,05. Troisième avec une moyenne de... Les premiers, deuxième, troisième. Voilà, il s'agit des trois premiers. Ceux à qui on a remis le t-shirt et qui n'ont pas reçu de lui, ils m'attendent. Il s'agit des éléments de la lettre. Ok, merci monsieur Tangara. Permettez-moi, pour terminer, remercier vraiment l'administration. Ne partez pas. Remercier l'administration pour le travail que vous venez de faire. C'est vraiment à saluer. Et
il est difficile de voir ça dans les établissements. Et ce que vous faites ici, vraiment, c'est important. Je remercie également les élèves, les filles, et qui travaillent très bien. Là, c'est encourageant. Et lorsque dans un pays, les filles se donnent correctement au travail, ça veut dire que l'éducation des enfants ne feront pas défaut. Donc, merci au comité de Yéma, merci au BN. Et vraiment, je suis très content et à la prochaine. Merci beaucoup. Le vote final sera pris par notre frère Sadio Pimé. Ça va. On dit à chaque fois que le monde va se faire. On dit à la fin de 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 Alors, merci beaucoup. Merci.